Alors, le sujet du jour, votre développement des affaires, une histoire dont vous êtes le héros, 5 conseils pratiques pour triompher. Mais d'abord, présentons le conférencier du jour, Dave Cameron, un vrai Dave, et non pas un David comme certains dans le groupe aujourd'hui, un vrai Dave. Un papa, enfin 2 fois papa, avec 2 enfants de 11 et 16 ans, une conjointe, on parle d'héros. Mais aussi, il a des héros à la maison, puisqu'il a une conjointe infirmière avec laquelle donc, il compte depuis 25 ans. Sa passion, on s'attendait à la peinture, au théâtre, aux choses, mais il a dit la vente, la publicité, mais quand même, les arts martiaux, le rock et plein d'autres choses. La chose avec laquelle j'associe Dave depuis que je le connais, c'est vraiment les relations H2H. Donc, c'est humain à humain. Comme moi et comme certains David aussi dans le groupe, c'est un profil Nova jaune, bien foncé. Sur le plan professionnel, donc, il est spécialiste des ventes d'espaces publicitaires. Il a plus de 20 ans dans les médias multiplateformes, web, télévision, radio, affichage, etc. Il a des compétences de haut niveau acquises notamment dans des grandes entreprises comme Cineplex Media, Les Affaires, Astral Media, Le Devoir. Il a eu, depuis qu'il s'est lancé, je pense que depuis 2 ans, en entrepreneuriat, déjà quelques distinctions comme L'Oréal Laval pour Ose Entreprendre, finaliste national en 2019. Il a été aussi sélectionné par sa communauté. D'ailleurs, il y a plein de personnes, je suis certain, de Laval, qui supportent notre cher Dave Cameron parce qu'il est un représentant ou ambassadeur des recrues de la communauté de Laval, fier ambassadeur entrepreneur de Laval. Son offre de service donc consiste en une vente additionnelle externe aux équipes des entreprises médias qui vendent des espaces publicitaires et des commandites comme clients, soit les propriétaires médias ou les acheteurs médias. Donc, en somme, Dave donne un accès rapide et privilégié aux décideurs marketing en entreprise et en agence de publicité afin d'obtenir plus d'annonceurs, plus de ventes et plus de revenus. Mais c'est d'abord un humain exceptionnel que je respecte et que j'apprécie énormément, comme beaucoup de gens. La preuve, vous êtes là. Et je suis très curieux de l'écouter pour savoir c'est quoi les 5 conseils pratiques pour triompher. À toi, Dave Cameron. Parfait. Ben, c'est mon tour? Oui. Je reviens dans 1 seconde. Ça va falloir. Ah. Ah non! C'est Oh quoi ça? non. Oh Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un non. plan B, John? Il va mettre ses cheveux. Ça va mettre ses cheveux. Il va revenir. Est-ce qu'il y a est-ce que quelqu'un peut prendre la conférence en main? Et oui, oh, c'est ça. Il est où? Dave, t'es Votre Dave! gouvernement des affaires, l'histoire dont vous êtes le héros. Il te ressemble vraiment, hein? Hey, c'est Super Dave, ça! Avec son speedo à part de ça. C'est drôle. Il y a Dave vraiment le Cameron. sens de mise en situation, le scénario, et il devrait aussi aller au cinéma. Eh oui, parce qu'on lui a donné l'idée, tu sais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouvrir ta chemise, Dave. Cameron Wood. Tout le monde a accès à la présentation? Oui. Oui. Excellent. Ben, le petit clin d'œil, c'était à cause de la thématique, le mini Super Dave avec le titre Votre développement des affaires, une histoire dont vous êtes le héros. Continuez. Un instant. J'ai un petit problème avec mon ordi, donnez-moi 30 secondes. Ok, c'est bon. On va passer cette partie-là. À mon crâne, on a fait plein d'éloges, donc je pense que vous connaissez un petit peu mon rôle. Donc, grosso modo, je suis un consultant en vente d'espace publicitaire. Ça fait plus de 20 ans sans publicité. Et j'ai travaillé dans le cinéma 5 ans, d'où mon petit clin d'œil à Mini Super Dave. On fait cet événement-là. Tous les profits, à titre de rappel, vont au BEC, pour une bonne cause, là. Le BEC, c'est quoi? C'est le bénévolat d'entraide aux communicateurs. C'est le seul organisme qui vient en aide aux communicateurs. C'est un organisme de charité qui a été créé pour soutenir la santé et le bien-être de tous ceux dans les médias, les communications et le marketing du Québec. Et on sait, dans cette période de pandémie, c'est très, très, très important. Donc, plusieurs sources de financement,
les événements, le ballon noir, le tournoi de Babyfoot. Ils ont aussi le Beck Media. Vous pouvez acheter du média que les médias ont donné généreusement, les grandes chaînes que vous pouvez racheter pour financer le Beck. Et aussi le Beck Boutique. Donc, merci encore pour le Beck, tout ce que vous faites pour tout le monde. Évidemment, on parle de développement des affaires, donc il ne faut pas avoir peur de défoncer les portes. Donc, c'est une des citations que Milton Burr j'ai beaucoup appréciée. Il faut foncer si on veut développer de la business. Rapidement, développement des affaires, c'est quoi? On devine, c'est un ensemble d'activités qui met en œuvre. Comment il faut tailler sa place dans son industrie pour augmenter les ventes? On veut de l'argent, des revenus. L'importance, c'est sûr que c'est très important. On veut, pourquoi on fait du développement des affaires? On veut faire connaître nos produits. On veut rechercher des partenaires. On veut maintenir une réputation, une crédibilité, une clientèle. Et en définitive, on veut vraiment vendre nos produits et services. Maintenant, les 5 conseils tant entendus pour développer les affaires. Le premier, je pense, c'est sans aucun doute l'énergie. Puis j'ai encore la preuve dernièrement, j'ai fait une publication sur l'enthousiasme. C'est le meilleur conseil, la meilleure attitude à avoir pour vendre. Ça a très, très bien réagi. Il y a différentes façons d'avoir de réveiller notre énergie. Le physique, le mental et le social. Côté physique, d'un petit truc, pour moi, ça fonctionne très bien. Les Miracle Morning, c'est se lever tôt, prendre du temps pour soi. Moi, j'en profite pour faire mon exercice, mes podcasts, avoir du temps. Puis quand il arrive 9h, je suis déjà à l'avance sur beaucoup de monde. Je suis déjà prêt pour attaquer la journée. Et prendre un bon café, caféine, pour faire un clin d'œil à mon ami à mon crâne qui a un podcast qui s'appelle Caféine. Si vous pouvez aller dehors, respirer du grand air, des fois c'est 5 minutes, mais ça peut faire toute la différence pour changer de journée. Le sport, évidemment, ça donne de l'énergie. Travailler debout, des petites choses, des petits trucs. Je me suis acheté un bureau assis debout. Je travaille actuellement debout. Ça fait toute la différence. Le matin, je travaille assis. L'après-midi, je travaille debout. C'est très énergisant. Ça donne beaucoup de boost. Le power suit, je parle... Qu'on travaille de la maison, qu'on travaille à l'extérieur. Je pense que c'est important de se mettre dans le mood à faire. Aujourd'hui, j'ai mis mon habit, j'ai mis mes souliers, c'est même parfumé. Un blond se demandait ce que j'allais. Il y a toujours des gentilles-dames. Donc, j'ai fait la totale. Côté mindset, côté mentalité, pense aussi à la musique. Avant d'arriver ici, j'écoute toujours mes 3-4 mêmes chansons que j'aime. Bon, Eye of the Tiger, évidemment, comme plusieurs, pour nous réveiller un peu, nous donner un peu d'énergie. Les podcasts, une découverte que j'ai eue, moi, depuis il y a 2 ans, depuis que je suis parti à mon compte, que je savoure tous les matins en faisant mon jogging. Il y a beaucoup de belles choses qui vous donnent de l'énergie, qui vous donnent des bons conseils à appliquer. Un autre petit truc, c'est la boîte à réalisation, succès positif. Ça peut être un post-it. Moi, j'utilise beaucoup Evernote. Quand j'ai des bons mots, comme j'ai eu aujourd'hui, beaucoup d'encouragement, beaucoup de courriels, je fais des copier-coller, je mets ça tout à la même place. J'ai mon hashtag Superman. Quand je vais voir ça, quand ça va bien, je vais le voir, ça me donne plus d'énergie. Quand ça va moins bien, je vais le voir et je suis de bonne humeur. Donc, essayez d'avoir ça sous la main pour pouvoir toujours y retourner. Ça va être bénéfique pour vous. Miroir aussi. Si vous êtes capable d'avoir un miroir pas loin de vous, c'est bien. Autant qu'on appelle, on sourit. Le sourire, il paraît aussi dans la communication. C'est très communicateur. Et c'est bien d'avoir un miroir avec nous. Comme ça, on peut voir si on va pas bien. Puis ça permet un peu de se recentrer sur nous et se reprendre. Les petits trucs sont intéressants. Côté social, essayez de rencontrer des gens qui vous donnent des énergies et non qui en prennent. Alors, c'est bien vous entourer. Travailler dans des endroits qui sont inspirants, café, à la maison, au coup de soleil. La gratitude, ceux qui me connaissent, ils savent que j'apprécie les bonnes fêtes. Moi, j'aime ça de les dire bonnes fêtes, j'aime ça le recevoir. Ça fait du bien. Ça donne beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de bien. Je pense que ceux qui le reçoivent aussi, ça leur fait du bien. Puis, quand on a de l'énergie, c'est un magnétisme. On attire les gens. J'ai régulièrement des messages, mais 2 dernièrement que j'ai réussi. Un de Stéphane Slogard, que je ne connaissais pas, qui m'a écrit un beau message, me dire « Monsieur Énergie », et il m'a invité à sa radio faire un podcast.
Et l'autre de Tracy, qui est probablement peut-être ici avec nous, un petit message pour encourager mon énergie. Donc, c'est tous les petits trucs pour l'énergie qui peuvent vous aider. Truc numéro 2, la préparation. Donc, préparation, c'est le, je pense que c'est une importance capitale quand on veut développer les affaires. Les 5 P, c'est quoi? C'est la préparation au préalable prévient les piètres performances. Donc, 5 P importants. C'est important quand on se prépare de bien cibler notre clientèle, les qualifier et aller vraiment vers les clients qui sont payants pour nous, les bons clients. Et pour ça faire, il faut aussi préparer notre vente. Je pense que c'est de base, mais des fois, on n'y pense pas. Quand on va voir les clients, penser à nos caractéristiques, nos avantages et surtout nos bénéfices. Le fameux « what's in it for me », le client veut savoir « qu'est-ce que ça fait pour moi ?»« T'es beau, t'es fin, oui, mais qu'est-ce que ça donne pour moi ?» Économie de temps, économie d'argent, la paix d'esprit, il faut travailler ça. Si on est capable d'apporter aussi des preuves, des témoignages, des conseils, des business cases, les clients apprécient ça, ça les sécurise. Si vous avez des réponses à des objections, vous avez des références, si vous êtes capable de monétiser le coût d'inaction de prendre votre produit ou service, ça peut être quelque chose de bien, très vendeur également. Connaître sa compétition, c'est toujours intéressant aussi. Préparez-vous une liste de questions. Les questions que vous allez poser vont être très révélatrices sur qu'est-ce que les priorités du client. Surtout les questions que lui va poser, parce que ça le préoccupe. Soyez ouverts, on a 2 oreilles. Une bouche, on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Et les solutions, c'est diminuer, quand vous allez voir les clients, pensez toujours soit diminuer la douleur, soit augmenter de la valeur. C'est 2 choses préoccupantes pour les clients. Ils recherchent le temps, assez de penser d'apporter des solutions à ce niveau-là. J'ai vu une petite citation de Brian Tracy, je trouvais qu'il résumait bien. Il dit que chaque minute passée à planifier économise 10 minutes d'exécution. Il y a un retour sur l'énergie de 1000%. Donc, ça vaut la peine de bien se préparer. 3e conseil, comment obtenir un rendez-vous client? 2 façons, soit que nous, on contacte le client ou le soft sell, le client nous appelle. Donc, une façon, quand on contacte le client, une des méthodes traditionnelles, évidemment, pour l'inviter au restaurant, un événement, il faut faire un lunch and learn. Tout le monde faut manger, tout le monde est occupé, il faut manger. Vous pouvez lui faire livrer un repas. Vous asseoir avec pour pouvoir lui donner un rendez-vous et s'assurer qu'il soit bien assis à sa place. Étrangement, tout ce qui est un peu old school, ça fonctionne très bien. Une lettre papier. À ma fête, j'arrondis les chiffres. 1000, peut-être j'ai eu 1000 likes, 100 emails, 10 appels, une lettre. Je sais c'est qui. Donc, vous allez vous détonner des autres qui ne le font pas. Des petites attentions peuvent faire une grosse différence. Le dream marketing, ça revient à mon ami Michel qui fait partie de la salle. J'ai eu son autorisation. Michel, c'est un gars très créatif. Il y a toujours des petits trucs pour aller chercher des clients. Exemple, sans aller en détail, il peut envoyer une boîte d'outils créative. Et dans la boîte d'outils, il va avoir un marteau. Il dit, pour frapper un bon coup, il va donner des petits slogans avec. Il va avoir aussi un ruban mesuré pour mesurer vos résultats. Il va envoyer des cafetières pour inviter les gens à prendre des cafés. Différentes choses qu'on peut innover, des petites choses qui peuvent faire une différence. Les gens n'ont jamais vu, on veut détonner, on veut être différent. Les messages vidéo LinkedIn, ce n'est pas nouveau, mais c'est encore plus utilisé, même moi encore. On a certains experts ici, si vous envoyez un message LinkedIn vidéo, vous allez voir la réaction. Elle est bonne, elle est très bonne, les gens sont surpris. Ils voient, on peut donner plus en vidéo. C'est très, très, très vendeur. C'est très différent. C'est encore nouveau. C'est le temps d'essayer de vous démarquer. L'introduction de nous faire référence, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vous réfère, ça vous ouvre des portes. Profitez-en. Regardez sur LinkedIn les niveaux 2 et 3. Qui peut vous introduire à quelqu'un? Ça peut être quelque chose qui peut vous ouvrir les portes facilement pour gagner beaucoup de temps. L'autre côté, c'est les clients peuvent nous appeler. Ça, c'est drôle parce que c'est un peu la grosse tendance aujourd'hui avec le inbound marketing. C'est la stratégie de création de contenu. Les gens, on peut créer des infolettes, des publications LinkedIn, des e-books. On donne du contenu, on donne pour recevoir à terme. Les gens, ils apprécient, vous gagnez en crédibilité. À un moment donné, ils vous appellent parce qu'ils ont besoin de plus. Souvent, dans ces niveaux-là, le facteur prix est moins important parce que vous avez gagné en qualité, en crédibilité, en valeur, autre chose.
C'est quelque chose qui est bien intéressant. Aussi, quand vous êtes actif dans le marché, moi, je suis très actif, mes réseaux sociaux, événements, rendez-vous clients. C'est sûr, les gens vous appellent, « Dave, je te vois aller, je suis curieux, il faut qu'on se parle, je suis curieux de voir, je veux aussi qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble. » Les gens, ils aiment voir les gens qui sont actifs dans le marché. Alors, si vous pouvez vous démontrer que vous êtes dans l'action, vous allez vous faire approcher automatiquement. Je fais un petit truc banal. Sur LinkedIn, vous voulez un call to action, ajoutez une petite note dans votre profil. On a des experts ici qui peuvent vous aider. Moi, j'ai ajouté « Contactez-moi pour obtenir plus d'annonceurs, plus de ventes, plus de revenus, dépenser vos objectifs. » Il faut avoir un call to action dans nos infolettres. Quand on appelle, il faut le demander. Si vous ne demandez pas, c'est 100% sûr que ça ne fonctionnera pas. Rendez-vous visible. Écrivez des articles. Créez un groupe d'affaires. Faites-vous inviter comme conférencier à LinkedIn Local. Ça crée des rendez-vous. Vous n'avez pas besoin d'appeler des gens. On va vous appeler. Quatrième truc, je vois que ça va vite le temps. Les suivis. Je vois ça. On va prendre une gorgée d'eau. Quatrième truc, les suivis. Probablement, c'est peut-être mon bébé. C'est la plus grande faiblesse de beaucoup de monde en développement des affaires. Dotez-vous d'un système de suivi, un CRM, pour vous aider pour ne pas en échapper. Prenez des notes, des intérêts, passions, priorités, personnelles et professionnelles. Moi, je le fais depuis longtemps, mais il y a des gens que je vois. Quand je pense branding, je pense à Amokran ou David Godreau. Je pense LinkedIn, là j'en ai pas mal, là. Il y a tout le monde ici. Je pense Scotch, je pense à David Cantin. Je vois un article, je vois quelque chose d'intéressant, un événement, je vais lui envoyer. Ça peut être garder contact. Mettez-vous un système de rappel pour automatiser, pour pouvoir faire des suivis. Essayez d'avoir, prévoir une séquence de suivi. On a le rendez-vous aujourd'hui. Peut-être dans deux jours, faire un suivi avec les clients, les gens qui sont présents. Dans deux semaines, faire une relance à ceux qui ne vous ont pas répondu. Mais prévoir un suivi. Réservez-vous une plage pour faire des suivis. C'est important d'avoir un bloc horaire, sinon vous allez l'échapper, c'est certain. Puis fixez-vous des objectifs, un plan. 10 par semaine, 5. Je pense, personnellement, c'est mieux souvent et pas longtemps que tout le temps. Parce que faire juste des gros blocs, et toujours avoir régulier, toujours suivre les gens, pas n'échapper. Grosso modo, après ça, utiliser les différents prétextes. Quand vous écoutez les clients, vous pouvez essayer d'appeler les clients pour vous avez une nouveauté, un article pertinent, un concours, une félicitation pour une promotion, c'est son anniversaire, des bonnes raisons pour l'appeler. Et si vous n'en avez pas, développez des stratégies de relance, une promotion de fidélité, une invitation, VIP, un rabais anniversaire pour sa fête à lui ou c'est votre anniversaire. Il faut trouver des raisons pour garder contact avec le client. Donc, c'est important d'avoir un avant. Il y a un pendant, il y a surtout un après. Surtout un après, parce que le coût d'acquisition d'un nouveau client est beaucoup supérieur à celui des rétentions. Il faut trouver une solution de rester top of mind auprès des clients. Il y a différentes façons de le faire. Puis LinkedIn, ça en est très bon. Parce que vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit. C'est une belle façon. Et il y a Grant Cardone, c'est un grand de la vente qui dit « The money is in the follow-up ». Moi, je suis grâce à son conseil. Voici quelques statistiques qui disent très révélatrices sur le suivi. 48% des gens en vente font zéro suivi. 80% des ventes se font entre le 5e et le 12e contact. Ça peut être un rendez-vous téléphonique, rendez-vous face à face, un like, un commentaire, plein de choses pour avoir un contact avec le client. Puis quand il va penser à vous, quand il va avoir un besoin, il va penser à vous. Des petites choses comme ça. Deuxième, le dernier conseil, dépasser les attentes. On peut voir ici, le client soit clair. Il ne faut pas que le client s'attende à quelque chose qu'il ne veut pas livrer. Alors, c'est important de bien livrer les attentes. À ce niveau-là, il y a 4 niveaux que vous pouvez utiliser. Le premier, c'est de répondre aux attentes. Ça, c'est juste pour rester en business. Le deuxième, c'est de dépasser les attentes, d'en faire un petit peu plus. Comme ça, vous allez fidéliser le client, il va vous aimer. L'autre, c'est offrir de la plus-value, des choses qu'il ne s'attendait pas. Vous allez créer un lien émotionnel parce qu'il va... Il va se sentir un peu dépendant de vous, il va vous apprécier. Et l'autre, c'est l'effet « wow ». C'est que si vous êtes toujours top notch avec le client, toujours viser la perfection, servir sa clientèle, l'attention, les petites choses, le client va devenir votre ambassadeur. Ça va être vous allez dépasser toutes les attentes, autant pour lui que pour vous. Donc, « promise less » et « deliver more ». J'avais promis cinq conseils, mais il faut toujours dépasser les attentes. C'est pour ça que j'en ajoute j'ajoute des petits bonus. John, je vais rester dans mon temps. Je vais essayer de rester dans mon temps, d'accord?
Un dernier, sixième conseil, maximisez votre milieu de semaine. Tout le monde a le même type de semaine. Le lundi, plusieurs ne sont pas contents d'avoir travaillé ou malheureux ou sont durs à partir. Le vendredi, on est en tête ailleurs, on est fatigué. Mettez un maximum d'énergie le milieu de la semaine pour vos rendez-vous potentiels, vos publications LinkedIn. C'est sûr que ça fonctionne un peu ailleurs, mais c'est sûr que les lundis, mardi, mercredi, jeudi, c'est encore très, très fort. Les événements corporatifs, les chambres de commerce, pas pour rien, tous les événements, c'est tout du vendredi au jeudi. Jeudi soir, on a 2, 3, 4, 5 événements en même temps, c'est fou. Les autres professionnels, les groupements professionnels, les BNI, tout, faut être dans l'action dans cette période-là, il faut maximiser ces 3 jours-là au maximum. Septième conseil, ah, excusez, j'ai oublié tout ça, mettez-vous à votre avantage, dans le milieu de la semaine, vous êtes beau. C'est pas le lundi, vous êtes fatigué la fin de semaine, c'est pas le vendredi que vous êtes fatigué de la semaine. C'est, vous êtes à votre meilleur, mettez-vous à votre avantage. Vous pouvez tricher un petit peu, mais pas autant que ça. Enfin, le septième, les récompenses. Récompensez vos clients actuels et passés. Même si vous faites le développement des affaires, n'oubliez pas vos clients que vous avez. C'est les plus précieux. Le vendredi, ça vient de Michel, mon ami qui est ici, c'est la gratitude. Vendredi, tu n'appelles pas pour des nouveaux projets et tout ça. Appelle tes clients lorsqu'on a une belle fin de semaine. Je les invite à luncher. Je leur dis merci. Je fais les petits cadeaux. C'est le vendredi gratitude. Je fais ça depuis que je connais Michel. Ça fonctionne très, très bien. Là. Le vendredi, on se fait du bien. On se fait du bien mutuellement. Récompensez vos efforts, vos travails, les petites récompenses, les petites choses qui vont vous permettre d'avancer, de continuer. Parce que ce n'est pas facile toujours de développer les affaires. Pour moi, c'est un peu plus naturel. Pour d'autres, c'est vraiment difficile. Il faut avoir des petits cadeaux. Récompensez vos résultats, vous atteignez des objectifs. Si vous gagnez, vous réussissez un compte, vous devez acheter vous quelque chose de concret qui va vous rappeler un stylo, une montre. Moi, j'ai acheté un iPhone avec un case rouge, parce que le rouge, ça vend. Je voulais m'en rappeler que mon bon coup, ma meilleure vente à vie, c'est un projet sur 2 ans, c'est près d'un million. On était 8 à travailler. Je voulais m'en rappeler longtemps. Je m'en suis rappelé le temps que j'ai eu mon iPhone que je change. Et récompenser, c'est se dire merci. Et enfin, je suis persuadé que si vous suivez ces concours, vous allez vous transformer, devenir de chenille à papillon et devenir vous aussi un héros. Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'était beaucoup de matière en peu de temps, mais c'est Dave Cameron, consultant en vente d'espace. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, les jeunes locales, les bénévoles, Michel, les participants, etc. Merci. Merci beaucoup, Dave. On t'applaudit ici. Bravo. Bravo. Bravo au chauve le plus connu de Montréal. Bravo! Bravo! Excellent. Ben, merci beaucoup, Dave Cameron, pour cette présentation. Et tu as dépassé les attentes. Tu nous as fait plein de surprises et tu as joué sur l'émotionnel, donc je te remercie. Pour toutes les personnes donc, qui aimeraient poser des questions à Dave Cameron, je vais faire le modérateur, mais je vous invite à poser d'abord vos questions en commentaire, comme ça il y aura un ordre de priorité. Allez, commencez à écrire et selon donc, l'ordre de passage dans le chat, vous pouvez éventuellement poser vos questions. Il y en a déjà à Mokran. Si tu remontes dans le fil, il y a déjà des questions. D'accord, je vais remonter parce que je voyais juste des URL. Alors, il faut que je trouve des questions. Il y a plein de waouh, on est fan de Dave, on est incroyable. Je ne sais pas comment tu fais. Mais ça, on le sait déjà, ça. Ouais. Moi, je cherche. Alors, le meilleur temps d'après toi, Dave, pour faire des calls, c'est Vicky O'Connor. C'est la première question que je vois. Moi, ben, comme je parlais, j'irais idéalement dans le milieu de la semaine. Le mardi, mercredi, jeudi, c'est des bons moments pour appeler les gens. Les gens sont en mode business, sont prêts à tout ça. Après ça, savoir si c'est le matin, l'après-midi, ça va dépendre de toi. Moi, je suis un peu plus matinal. Le matin, je suis plus efficace, mais c'est libre à toi. Mais c'est le meilleur moment un peu plus. Le matin, oublie ça. Vendredi après-midi, c'est parce que les gens sont partis et ils sont ailleurs. Vendredi après-midi, tu le gardes pour tes clients. Comme je disais à toi, tu vas développer des affaires, tu focuses au milieu de la semaine. Excellent. Donc, milieu de semaine, c'est le secret de Dave. Il y a une question de Carmelo à Matteo qui dit, est-ce que pour vous, le mailing personnalisé,
Est-ce que c'est efficace? Ça dépend à quel niveau personnalisé. Ça dépend la quantité. Ça dépend c'est quand. Il y a beaucoup de... Ça dépend. Parce que des fois, c'est trop. Mais des fois, ils sont bien faits. Chambre de commerce de Montréal, et des fois, je me demande si c'est pas le maire ou l'invité qui m'invite. Ça a l'air quasiment... C'est tellement bien fait, la nuance. Là. Quand c'est bien fait, c'est de bon goût. Je pense que ça fonctionne encore. Parce que les mails, ça reste quand même un des outils, sinon, les plus puissants côté de télémarketing, de garder contact. Puis, c'est assuré d'avoir des... Tu as le droit d'adhérer, tu as le droit de désadhérer aussi au courriel. Donc, c'est un choix versus, des fois, sur certains médias sociaux, qu'il y a des gens que tu vois que tu n'as pas choisi de le voir, mais qui se présentent pareil. Alors, quand le courriel, ça a encore là, il faut juste bien le faire. D'accord. Une autre question de Sébastien. Pelon, excusez-moi. Combien de relances, c'est trop de relances? Mais c'est drôle, je reprends un terme que Mathieu Chevalier m'avait parlé, puis que j'utilise aussi, c'est le mot dosage. C'est un petit peu difficile à dire, c'est un peu l'instinct. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des agences de publicité, puis c'est du monde sursollicité tellement. Quand ils gagnent un compte, ils sont appelés, achalés. Et l'important, c'est que tu vas être présent pour être... Tu ne peux pas te faire dire « j'ai pas pensé à toi, Dave ». Tu ne peux pas te faire dire ça. Mais tu ne peux pas venir trop « tâche en mal », en guillemets, trop, ils vont te barrer. Et c'est juste bien dosé. Donc, c'est faire les suivis, mais je pense qu'il y a moyen d'être plus subtil. Un appel, un commentaire sur LinkedIn, un courriel, on passe par là, on va cogner à la porte. Tu sais, de faire, quand on dit des touch points, c'est d'y aller avec différentes stratégies, puis voir qu'est-ce qui ça fonctionne avec le client. Tu l'appelles, mais tu envoies un courriel, peut-être qu'il veut parler par courriel. Tu retournes un autre appel, il rappelle encore par courriel, peut-être que lui favorise ça. Il va trouver le bon moyen de communication, puis y aller petit à petit. Là. Il y a une chose qu'affectionne beaucoup notre ami Mathieu Chevalier ici présent, c'est la question de l'empathie. Donc, peut-être que si tu veux même, parce que ça ne va pas être un dialogue là, juste entre nous deux. Donc, si des personnes veulent intervenir, qu'ils lèvent juste la main avec l'outil de Zoom. Mais Mathieu, peut-être que tu voudrais, Mathieu Chevalier, parce qu'il y en a plusieurs Mathieu, par rapport à cette question d'empathie et comment comprendre son client. Par rapport à faire des suivis. Ouais. Je suis tellement, honnêtement, j'ai tellement à apprendre de Dave là-dessus parce que je fais partie, moi, des gens qui ne font pas assez de suivi parce que j'ai la peur de déranger. Peut-être que, tu sais, c'est le là, je ne suis plus dans l'empathie, je suis dans la sympathie puis je projette. Fait que moi, je suis vraiment là-dedans, je suis dans la peur de déranger. Fait que je ne pourrais pas répondre à ta question, Amou. Très bien, Dave. Par rapport à la peur de déranger, veux-tu dire quelque chose, David? J'allais dire la même chose, justement. C'est ça, déranger ou pas, ça, c'est difficile à gérer. Ça. C'est une question très compliquée que je n'aborderai pas ce soir, mais je comprends la réalité de Mathieu, par exemple. Je l'ai déjà vécu dans le passé. Puis il y a quelque chose un jour qui s'est déclenché en moi qui a arrêté ça. Mais moi, je dirais au niveau du suivi, le principe étant que si tu as toujours quelque chose à offrir, à proposer ou à demander, ça va être rapidement un problème. Le suivi, c'est pas un suivi sur la transaction ratée au départ, parce que c'est ça le problème souvent, je pense. C'est ça que je voulais nuancer seulement. Ça, le reste, fantastique, mais je trouve que c'est dans la composition du suivi. C'est quoi un suivi, en fait? Pour moi, un suivi, c'est quelque chose que t'as pas... C'est pas nécessairement une vente ratée. C'est une vente à faire plus tard, potentiellement. C'est toujours comme ça que je réfléchis à un client que j'ai pas vendu du premier coup, on va dire. D'accord. J'aime lui parler. Alors, quand je lui parle dans 6 mois, j'en ai pas d'intention pécuniaire en arrière. J'ai l'intention de lui poser des questions sur lui, se demander comment ça va sa business. Puis, étonnamment, ça arrive tellement pas souvent un suivi comme ça que les gens me demandent, puis, t'as-tu quelque chose à m'offrir? Non. Rien à m'offrir. Rien à t'offrir. Je voulais savoir comment t'allais. T'es-tu sérieux? Oui. Mais je suis pas ton client? Non. Non, non. Mais j'ai gagné les clients à cause de ça, parce qu'ils m'ont rappelé 2 ans après pour me dire « t'es le seul freak qui m'a appelé pendant 2 ans sans avoir jamais vendu quoi que ce soit chez nous ». Puis quand un jour il a eu besoin d'acheter ça, c'est clair, il dit « j'appelle pas personne d'autre, j'appelle David », ça s'est arrêté là. Mais c'est ça l'idée du suivi, c'est l'idée de juste être là. Et puis quand tu as quelque chose à offrir, c'est désagréable pour la personne que tu appelles. Alors si tu fais juste l'appeler pour des raisons, on va dire humaines, on n'arrête pas d'en parler,
empathique ou humaine, puis tu fais juste jaser. Des fois, le client il va te dire « Ah, j'ai pas pensé à ta proposition. Hey, il parle pas de ça. Je t'ai pas, même pas appelé pour ça. » Il faut être vraiment très authentique et pas fake dans la relation. Je suis d'accord avec ça. C'est des bons mots. Donc, il y a Sébastien, je pense, qui voulait se renchérir, peut-être ajouter des clarifications. Sébastien, j'ai vu que tu as levé la main. Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, bien, en fait, tu vois, les gars ont répondu un peu à ma question parce qu'effectivement, tu sais, c'est sans vouloir être désespéré, mais moi, la question était par rapport à un appel découverte avec des clients, puis que tu t'entends avec eux de faire un suivi dans quelques jours après avec eux, puis ils disent oh, oui, pas de problème, puis je vérifie toujours à savoir avec eux si ça leur va ou ça les bug. La dernière chose que moi, j'aime recevoir chez nous, c'est un appel non sollicité, puis me faire chier par quelqu'un comme ce que j'appelle un vendeur de char. Ça, moi, ça me tue, même si j'en ai besoin, c'est le meilleur vendeur de char, je vais aller voir ailleurs. Mais ma question était, si on s'entend de relancer, je relance et je n'ai pas de nouvelles de personne suite à la relance, j'ai tendance à relancer une autre fois, mais après ça, je me tiens mort par rapport à ça. Mais oui, effectivement, je vais continuer à entretenir puis à faire... Tu sais, pour moi, c'est un peu, oui, c'est de l'empathie, mais il y a quand même un acting de vendeur et d'entrepreneur là-dedans où je vais quand même venir flirter sournoisement sur les profils LinkedIn, voir s'ils ont des posts, s'ils ont des choses. Puis oui, effectivement, je vais commenter si je le sens réellement. Fait que mon interrogation était plus à savoir relancer jusqu'à quel point. Puis Dave, je te lançais un peu la question à savoir si tu penses qu'après avoir relancé, après une fois supplémentaire, après avoir un peu essuyer un silence. Est-ce que toi aussi, tu aurais tendance à faire comme, bon, ben, un offre, je ne ferais pas chier la personne, puis tenir ça mort, ou ce serait quoi? Non, moi, je serais plus subtil. Non. Moi, ça, c'est plus une obsession. Moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux gens. quand j'aime quelqu'un, je le traque un peu, mais positivement. Je le rends dans mon système, je le crée LinkedIn, Facebook, je regarde partout. Je veux le connaître, je veux l'apprendre. Souvent, il va avoir une passion, il va avoir quelque chose que je vais découvrir. Ça prend du temps. Je vais chercher un peu plus que l'homme d'affaires que j'ai devant moi. Je vais chercher l'homme d'affaires, l'homme, le père de famille, etc. Puis quand je peux l'appeler, quand j'ai un cadeau, ça va être un certificat cadeau ou quoi que ce soit, mais je sais à qui l'adresser. Ça permet de le bien cerner. Des fois, ça peut être pas toujours l'appeler. Des fois, c'est un message, des fois, c'est un courriel, des fois, c'est un like. Là, je le vois, il est partout, là. Tu sais, Sébastien, la journée qu'on s'est connus, là, qu'on a eu une interaction, je t'ai créé, là, tu as dû me voir un peu plus. Je vais apparaître, là. Je vais te suivre. Dave, le temps presse et on aimerait donc faire les breakout sessions pour que les gens puissent discuter. Absolument. Deux questions donc, qui sont dans le chat box que je vais mélanger pour que ça puisse être utile pour la plupart. Une est de Fusée qui te dit, est-ce que le fait que tu es super relationnel, est-ce que c'est inné ou pas? J'aimerais au fait lier ça au fait qu'il y a plein de types de personnalités. On est plus de 70 dans la salle virtuelle et on n'a pas tous pareil sur le plan relationnel. On n'est pas tous à l'aise à faire des vidéos, à connecter avec les gens. Ma question, ou comment que je fais ça, d'abord, est-ce que c'est inné? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'une personne qui serait un peu plus timide ou introvertie peut quand même réussir à avoir le relationnel que tu as? Ça peut peut-être servir certaines personnes ici présentes. Je crois que oui, parce que j'ai des amis très timides, des excellents vendeurs. Pourquoi? Souvent, ils ont une force que j'ai moins. Écoute plus. En vieillissant, on l'améliore. Mais quand on est vendeur, on parle. Les autres, c'est des gens qui écoutent. Puis souvent, quand ils sont passionnés, si tu leur parles d'autres choses, ils ne sont pas à l'aise. Mais dès qu'ils parlent d'ordinateur, qu'ils parlent de leur passion, ils s'en viennent dans un autre mood. C'est passionnant. Puis des fois, aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, c'est pas juste face à face. Peut-être que tu es timide. Il y a des personnes très timides qui fonctionnent très bien sur LinkedIn parce qu'il y a une belle plume. Peut-être l'écrit, c'est meilleur pour eux. C'est une autre façon. Il y a des gens, des fois, des événements face à face, ils sont pas à l'aise, mais ils peuvent peut-être utiliser le courriel, ils peuvent peut-être faire des publications. C'est une autre façon de la timidité de la contrer. Et je pense aussi que casser la glace. À force d'en faire, il faut se dire qu'on est en mode business. On ne veut pas déranger, il faut mettre ça de côté.
on est là pour faire des affaires ensemble. On se rend compte. Puis souvent, on y va une fois, deux fois. C'est de l'habitude. Il faut choisir les bons groupes. Il y a des groupes qui sont un peu plus intenses. Il y a des groupes qui te font accompagner. Il y a des gens qui t'aident. Il y a des Diane, des Amokan qui vont t'aider, qui vont te présenter des gens qui sont là pour t'aider. Ils veulent que tu reviennes. Ils veulent ton bien. Donc, c'est des choses... Il faut juste choisir les bons endroits, les bonnes places de réseautage. Puis de façon qu'on est confortable. Puis elle est graduelle. C'est très bon. Et merci pour ce message concernant LinkedIn Local et puis la gang ici. C'est vrai qu'on essaie de créer, excusez l'anglicisme, mais un safe zone, un espace où la communauté est bienveillante, où les personnes justement qui des fois, même lorsqu'on faisait ça d'une manière présentielle, lorsqu'on voyait une personne qui est retirée dans la salle, qui est timide, qui ne veut pas réseauter, on va aller en quelque sorte l'accueillir et l'accompagner pour qu'il puisse profiter de sa soirée. Ben, merci beaucoup. John, je pense que c'est le moment pour faire les breakouts. C'est oui. Ça, on va être en équipe un peu plus réduite, donc on va maximiser les échanges. Mais avant, j'aimerais prendre des screenshots, des captures d'écran pour qu'on puisse garder un souvenir. Donc, je vous demanderai votre plus beau sourire. Non, pas celui-là, David. Bon, ça ressemble à ta réalité. Mais bon. C'est authentique. Alors, il est authentique. Tu es authentique comme ça. Alors, je vais vous dire, je vais juste préparer. Avec les bois ou sains, je suis toujours en train. Alors, ça va être 3 pages. Donc, je vais prendre 3 photos. Alors, la première, 3, 2, 1, sourire. Bing. Voilà. La deuxième, attendez une seconde. Ça va être des souvenirs. Je sens que je suis photographe des années 20. Avec le truc là, non, le truc qu'on faisait là dans les années 20 avec la lumière qui explose. Oui. Alors, 3, c'est 1, les années 2, 2020. 1, 3, 2, 1. Et le troisième. Ça va pas être lent. 3, 2, 1. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Vous pouvez lâcher votre mâchoire. OK, moi, je voulais juste additionner une petite chose à ce que Dave a dit suite à une question. Ce qui est très important pour moi et que je mets toujours dans mon CRM, c'est comment est-ce que le client ou le prospect aime être contacté. Il y a des gens, comme Dave a mentionné, qui préfèrent le courriel, des autres, des textos. J'ai des gens qui préfèrent les communications par courriel le matin, l'après-midi, whatever. Alors, mettre des informations dans un comme ça dans un CRM, ça aide beaucoup. Si quelqu'un, comme Dave a mentionné, répond à un courriel par un appel, je leur appelle. Ça, c'est leur façon préférable de communiquer. Alors, on a 65 personnes, on vient juste de perdre quelques-unes. Ce que je vais faire, c'est je vais nous mettre dans des breakout rooms avec environ 7 ou 8 personnes par salle. Alors, c'est ça. 30 secondes par pitch. C'est random, hein? C'est complètement random. À l'intérieur, il y a des animateurs qui font en sorte à ce que chaque personne ait 30 secondes comme un elevator pitch pour se présenter. Vous allez vous pratiquer. Donc, combien de minutes? Ça va être une quinzaine. No, 15 minutes total, 30 seconds each. OK, Karen? Here we go. Room 6. Room 4.